Bonsoir à tous, bienvenue dans le live de CrocoFR. Décidément, un peu de mal à démarrer le jeu en live. Et ben nous voilà dans un titre que je n'ai jamais streamé. Le jeu This War of Mine. Un jeu qui m'a été offert par Jakoz. Donc voilà, donc nous allons tout simplement partir sur une nouvelle aventure. Dès le départ, une nouvelle tentative, hein, puisque la tentative que j'avais fait pour m'entraîner un peu en hors live, histoire de pas montrer n'importe quoi, on peut dire qu'elle se dirige doucement vers la fin, même si c'est pas perdu. Donc voilà, hein, donc le principe du jeu, hein, pour résumer pour ceux qui ne connaissent pas ce titre, hein, donc on est, nous jouons en fait des civils. Qui doivent survivre après une guerre qui a éclaté au niveau de leur pays. Et en fait, eh ben, ces civils doivent survivre dans un bâtiment ou enfin un logement où ils sont réfugiés. Donc le principe, on va le voir, hein, c'est un jeu vu de côté qui est assez bien foutu, hein. Alors on va repartir. Je sais pas, Alva, Mino, Mama, Katia, Bruno. On va prendre l'histoire de base. Donc, au fil du temps qu'on joue, on peut avoir plusieurs associations de personnages. Donc là, on prend tout simplement les personnages qui sont Katia, Bruno et Pavel. Donc, c'est parti. C'est parti, donc comme vous avez vu, ça supprime ma partie, hein. On ne peut pas faire plusieurs parties en même temps, on n'en fait qu'une seule. Donc étant donné que mon autre partie, elle est pas finie, mais disons que elle se dirige mal. Donc voilà, vous voyez un petit peu se dessiner doucement le logement où nous trouvons, le refuge, avec à l'intérieur on voit apparaître les personnages. Donc il faut aimer un peu ce style de jeu, hein, vu de côté, avec des graphismes un peu crayonnés. Hein. Vous allez voir que c'est très très immersif et très bien ficelé ce jeu. Donc voilà, donc on voit les images, les photos des trois personnages que nous avons. Hein. Donc Katia qui est ici, au milieu nous avons Bruno et ici Pavel. Voilà, hein, lorsque la guerre civile a éclaté, la plupart pensaient qu'elle ne durait que quelques semaines. L'armée gouvernementale a mis des années avant d'encercler les rebelles dans la capitale, coupant toutes les voies d'approvisionnement. Piégée dans la ville, la population civile subit la famine, la maladie et les bombardements. Katia, qui est ici, a rencontré Pavel et Bruno avant la guerre. Elle était journaliste. Et Bruno animait sa propre émission de cuisine. Pavel était une star d'une équipe de football local. Elle l'avait interviewé une fois. Les voilà réunis dans des circonstances radicalement différentes avant de chercher de la nourriture et d'un refuge. Donc voilà comment on commence. Donc chaque personnage avec en fait différentes activités. On va tout de suite commencer avec les personnages en fait à les déplacer. Donc vous voyez. Je fouille en fait un peu les débris, donc vous voyez là j'ai trouvé. Donc là les affaires qui sont ici, là, tout cet aspect-là, ce sont les affaires que disposent les survivants. Et là ce qu'on a trouvé dans ce qu'on a fouillé, donc on va tout prendre hein, puisqu'on est dans le bâtiment, ça pose aucun problème. Et on va continuer, hein, on va fouiller un peu de partout. Donc lui je lui dire de casser la porte. Là, il dit qu'il ne peut pas ouvrir. Je vais envoyer Pavel ouvrir ici. Donc voilà, là il n'y a rien. Ici, elle ne peut pas ouvrir, il faut un outil. Donc on déverrouille. Lui, on va le faire remonter. Donc oui, là je vais peut-être un peu vite hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc voilà, hein, Pavel vient de découvrir d'autres objets. Hein, donc il trouve encore à nouveau des herbes. Il trouve ici des pièces mécaniques. Il trouve du sucre. Et des pièces électroniques. On va tout prendre. Donc là, je vais lui dire de fouiller l'armoire aussi pendant que Katia est en train de creuser. Elle dit qu'une pelle serait utile. Donc là, c'est Pavel qui a trouvé dans l'armoire encore des ressources. On prend tout.
Donc, vous voyez, hein, là, j'explore en fait la maison. La maison en fait que j'occupe. Donc voilà, encore d'autres affaires qui ont été découvertes, dont ce qu'on peut ici apercevoir hein, de tout depuis tout à l'heure. On a découvert des kits pour ouvrir les portes. Hein. Alors on va faire descendre notre ami Bruno. On va le faire descendre dans le sous-sol pour qu'il fouille ces tas de gravats. Encore d'autres gravats qui ont été fouillés. Parfait, en gros, on voit qu'on constitue petit à petit notre le stockage de matériel. Ici, c'est très très long, il y a un très gros tas. Bon, il va casser la porte. Donc, on peut voir en haut des informations. Hein. Donc, la date du jour, l'heure, avec une période de journée et avec une période de nuit qui arrivera sur la partie rouge en fait du cadran en haut là. Donc, il faudra préparer cette exploration. La température actuelle dans la maison. Donc on récupère encore. Donc là, Pavel va s'attaquer à un assez gros tas d'affaires. Voilà, tout le monde travaille sur ça. Donc pendant que nos différents personnages sont à la recherche, on peut voir qu'ils ont des petites fiches avec une fiche bio hein, qui explique en fait ce qu'ils font hein, tout simplement. Hein. Faire glisser. J'ai grandi dans la ville, donc elle explique en fait chaque personnage a une histoire qu'on peut découvrir. Au fil du temps de l'aventure, cette bio évolue, c'est-à-dire que bah, suivant ce qui se passe, les différents personnages peuvent avoir bah, des tas de réactions, hein. C'est-à-dire que bah, un personnage peut avoir du remords, un autre personnage peut avoir voilà, peut être pas d'accord avec certaines décisions qui ont été prises. Donc c'est très important de faire. Donc voilà, là j'ai utilisé un de mes outils pour ouvrir la porte de façon à visiter l'intégralité de la cabane, enfin de la maison, hein. Donc on voit ici déjà qu'au milieu, il y a quelque chose de très important. Ici, nous avons deux éléments qui sont des éléments qui vont permettre de construire des choses. Construire des choses et aménager notre maison. Donc on voit qu'ici, Bruno a terminé. Je descends le voir. Et on lui dit de tout simplement remblayer. Donc là, il va y avoir un choix à faire, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais ouvrir en premier? Donc les portes, les armoires. Donc moi je pense qu'avec Pavel, je vais lui dire de monter et d'ouvrir cette porte. Les armoires, de toute façon, il faudra à un moment donné trouver des outils ou les confectionner pour pas fouiller. Voilà, Bruno dit qu'il ne se sent pas très bien, il pense qu'il a de la fièvre. C'est parti. Et on creuse. Alors ce qu'on va faire, on va se dépêcher de descendre ici. Donc je double-clique, on peut faire courir. Parce qu'on voit que la nuit va bientôt arriver. Et en fait, je vais cliquer avec Katia pour construire quelque chose. Et en l'occurrence, on va construire un lit. Et le lit, eh ben, je vais choisir où je le place. Donc, pour un lit, le placer où? Je cherche un endroit adapté, par exemple, pour le lit. Moi, je dis que mettre un lit ici, on serait pas mal. Donc pourquoi mettre des lits? Bah tout simplement, c'est que pendant la nuit, c'est que nos survivants vont devoir se reposer. Hein. Donc c'est impératif d'avoir des lits. Donc on entend hein, l'horloge, c'est qu'on arrive vraiment enfin de. J'espère que j'aurai le temps de construire mon lit. Alors je sais pas où va Bruno.
Bruno est légèrement malade, c'est pas très bon pour ça. Et nous voyons, nous partons dans la nuit. Donc, ce qu'on va faire, vous voyez, on arrive dans ce qu'on appelle la partie de nuit. Dans la partie de nuit, on détermine qui c'est qui va sortir à l'exploration, parce que chacun a une quantité d'emport différente. Donc, on va dire que c'est Pavel qui va être mon collecteur. Hein. C'est un sportif, un ancien footballeur. Il a un bon emport, c'est un bon coureur. On va conseiller à Bruno de dormir. Et Katia aussi, elle n'a pas fini de réussir à construire le lit, donc ça va être dormir bah, comme ils peuvent. Ce ne sera pas dans un lit. Notre refuge est ici, et on découvre ici différents endroits où on peut se rendre avec des informations. Donc ici, un cottage abandonné. Ici, une villa en ruine. Ici, une maison calme. Donc on voit, chaque endroit a des différents... à différents objets ou items qu'on va pouvoir trouver pendant la nuit. Dans le cottage, une famille s'est barricadée dans cette maison, mais les pilleurs ont réussi à entrer malgré leurs efforts. Elle est restée abandonnée depuis. Nous y trouvons peut-être quelque chose que les pilleurs ont abandonné. Donc on va faire un tour dans ce cottage. Je peux y aller avec éventuellement du matériel de notre maison, de notre base, mais... j'ai pas grand chose d'utile, hein, notamment bah, une pelle ou des outils qui me permettraient de pénétrer. Donc nous y voilà. Donc vous voyez comment ça se présente. Hein. Je suis de nuit. On voit qu'il y a des informations qui sont écrites sur les murs. Sniper, donc il va falloir se méfier. Donc là on trouve déjà des objets. Donc des matériaux, plein de choses. Je ne les ramasse pas. J'expliquerai pourquoi. Donc là, on va faire très attention. Hein. On va fouiller ici. Je prends tout. Et je vais vous expliquer pourquoi que je fais comme ça. Alors ça, c'est une technique que j'ai élaborée, enfin, que manifestement plusieurs fois même maintenant. C'est-à-dire, au lieu de stocker des choses et de partir et tout laisser à gauche à droite, En fait, je collecte les affaires et je repars toujours à vide et je stocke tout à un endroit qui est l'endroit de départ, tout simplement. On va repartir, on voit qu'on a deux logos, donc soit on ouvre la porte, soit on a un petit œil pour regarder à travers la serrure, voir si il n'y a pas quelqu'un dedans ou pas de danger, donc on voit qu'il n'y a rien du tout. On va pouvoir rentrer. Je vais descendre en premier, voir ce qu'il y a en dessous. Il y a des affaires. Donc on va fouiller. Donc pareil pour la journée, on a un timer, hein. Il faut que je récupère mes affaires, que je récupère les affaires avant le lever du jour, mais surtout que je quitte la zone avant la levée du jour. Hein. Très important, si je ne quitte pas la zone avant le lever du jour, mon personnage devra revenir pendant la journée, hein, ce qui est beaucoup plus risqué. Donc vous voyez, là je ne peux pas tout prendre, donc je le prends. Et je vais remonter pour déposer ça dans mon petit stock là. Alors, ma méthode hein, c'est de récupérer fur et à mesure toutes les affaires qui m'intéressent et de faire des allers-retours pendant les nuits. Hein. Vous voyez là je stocke tout, je vide et je repars. Ça m'évite justement de me retrouver encombré, de ne plus savoir ce qu'il faut ramener. C'est une technique bon, qui je pense est pas mal. On voit des bruits. Donc ça c'est qu'on entend du bruit dans cette zone. Hein. On ne sait pas ce que ça peut être. Ça peut être quelqu'un qui marche, comme ça peut être des souris. Bon, pour moi, il n'y a pas de doute, c'est des souris. Hein. Voilà, tout à l'heure j'ai regardé, je pense pas que c'est une maison abandonnée, hein, mais c'est pas pour autant qu'il peut pas y avoir des gens qui peuvent se pointer. On va débarricader la porte. Je pourrais courir. Hein. Manifestement c'est tranquille, donc je pense que c'est ce que je vais faire pour rentrer dans la maison. Donc
voyez, hein, on commence à trouver quand même pas mal d'affaires. Vous voyez, les cercles, c'est la zone de bruit que je fais. Vous voyez, hein, ça fait des espèces de bulles. C'est le bruit qui est généré. Hein. Alors ici, on a une petite loupe. On va avoir une note, sûrement. Voilà, la photo de famille avec tes parents et deux filles, heureusement. Ce sont des informations qu'on peut voir. On peut trouver des notes qui peuvent indiquer des cachetteurs là. Bingo, énormément de nourriture. Ça va être très très utile pour la survie. On repart en courant. Je sais que je suis tout seul, donc là maintenant je peux me permettre un peu de courir. Enfin, je sais. Je présume, hein. Et je pose tout ça. Les gouttes d'eau, c'est très important. Ça, c'est de l'eau propre. Donc l'essentiel, ça va être de ramener surtout la nourriture, l'eau, de quoi faire des travaux. Donc là, il va falloir que je déblaye. Une note sur laquelle le premier jour ils ont cambriolé la maison, blablabla. Je ne vais pas utiliser le fusil, il est cassé et enterré dans le jardin. Très intéressant ça, très très intéressant comme information. Donc on sait qu'il y a un fusil qui est dans le jardin. Regardez, par la fente. On va ouvrir. D'accord, c'est verrouillé. Donc là, on peut rien faire. Il faudra que je revienne avec un... Là, on va commencer à déblayer à la main, hein, faute d'avoir mieux. Et je vais déblayer le temps qui me reste, hein, pour la nuit. Salut à toi, Dirt Gaming. Alors c'est parti, on déblaye, tout en surveillant le timing, là. On voit que là, ici, c'est la position du fusil. Écoutez, je vais retourner. Déblayer. Récupérer le fusil. Ici, on va déposer tout ce qu'on a trouvé. Et on va refaire notre inventaire. Préparer le retour, donc ça très important, on prend tout. Ça j'en prends 4. Vous allez comprendre comment je fais. L'eau, on prend tout. Voilà, 2, 3, 4. J'essaye de remplir des stacks. De façon à avoir des tas cohérents. 4, 4, 4, 4, 4. Je vais pas m'amuser à revenir juste avec un morceau de viande. Et ce serait bête de revenir avec juste un morceau de viande. Juste un morceau de viande me prendrait un inventaire complet, enfin une case complète. Donc j'ai mieux fait de le laisser là. Je sais que j'ai de la nourriture ici. Et je reviendrai la nuit prochaine pour prendre le reste. Pour amener tout ça à la maison. Vous voyez maintenant ce que je vais faire, courir vers la sortie, pas non plus, j'ai le temps encore, mais bon. Voilà, je rentre comme ça tranquillement pendant la nuit, sans prise de risque. Bon, on va arriver, là les survivants ils vont être assez fatigués, vu que il n'y a rien du tout, il n'y a pas de lit pour le moment. Donc on va devoir construire des lits. Et voilà, vous voyez ce que j'ai ramené. Alors c'est parti, pendant ce temps-là, on va demander à notre ami Bruno de fabriquer un autre lit. D'accord, elle n'a pas eu le temps de le construire. Alors,
va construire un lit ici. On va demander à Katia de construire le finir le lit qu'elle a posé. Alors, on va continuer à fouiller un petit peu en dessous. Voilà. Oui, oui, je compris, on a besoin de nourriture. Alors, il va falloir construire des choses importantes. Donc, les lits, c'est déjà ça. Un chauffage simple, c'est pas mal. Mais surtout, un poêle rudimentaire. Ça, ça va nous permettre de cuisiner. Donc, on va le construire ben, ici, à côté du frigo. Ça sera un bon endroit. Voilà, Pavel, c'est bien, t'as déblayé ça. Moi, je vais demander à Pavel de monter, se mettre au lit. On va dire aussi à Bruno de se coucher. En tant que... Katia en train de faire des travaux. Donc on voit que Bruno est en voie de rétablissement. Donc maintenant vous voyez qu'on a des menus disponibles avec notre fourneau. Donc bah, notamment création de recettes hein, donc qui nécessitent des combustibles. Donc les combustibles on peut les faire à partir de bois, de composants. Donc pour l'instant on va rien faire cuire puisque bah, du combustible j'en ai. J'en ai dans, dans la maison que j'ai visité là, c'est un livre, donc je cramerai le livre. Alors on voit, on a un diamant. C'est une ressource, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour faire du business. Car on a des visiteurs qui peuvent venir pour tout simplement... faire du troc. Donc voilà. Donc là on peut pas ouvrir, il faut forcer la serrure là aussi. Donc on va remonter hein. On va voir si ce que je peux faire de nouveau. Alors j'ai regardé les upgrades. Alors création d'un atelier. On va fabriquer l'amélioration. Ça va permettre de construire d'autres objets. Donc vous avez vu, ça coûte quand même pas mal de ressources. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ce qu'on prend. Là, je vais casser la porte. Là, je vois qu'il y a une porte que j'ai pas ouverte. On va en profiter. Bruno, il va se relever un petit peu. Non, je me trompe. Il faut bien choisir le bon personnage avant de... Donc voilà, donc atelier amélioré. Donc la prochaine amélioration sera beaucoup plus coûteuse. Hein. On voit qu'il manque d'autres objets. Et voilà, vous voyez, j'ai des nouveaux objets qui sont apparus. Donc on voit que par exemple, je peux créer une radio, que je peux créer une guitare, que j'ai une possibilité de barricader pour réparer la maison. On peut fabriquer un jardin de plantes, un atelier de plantes. Un distillateur pour faire bah, tout simplement de l'alcool. Un atelier de métallurgie qui permettra de créer des outils comme c'est écrit. Un récupérateur d'eau de pluie. Très intéressant ça. Un filtre pour le récupérateur d'eau de pluie. Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer peut-être à faire directement un petit récupérateur d'eau de pluie. On va fabriquer le récupérateur d'eau de pluie. On va positionner. Est-ce qu'on peut le positionner? Ah d'accord, je savais pas que ça pouvait servir à ça aussi les livres. Alors je cherche où je positionne mon récupérateur de pluie. Le foutre ici, ça sera très bien.
Bon, c'est fermé, moi. Alors, on va lui dire de se recoucher. Donc, on voit quand même qu'il y a des grosses ouvertures. Il faudrait que je récupère des planches en quantité pour que ça se. Pour colmater tout ça. Alors, il faut savoir que c'est la guerre, hein, donc on peut se faire piller, hein, tout simplement. Hein. Donc, ouais, maintenant, je pourrais l'utiliser, mais il me faut un composant nécessaire qui est un filtre, hein, que je n'ai pas. Donc, je vais regarder dans nos affaires. Hein, déjà, on a 14 d'eau. C'est pas mal, on a 2 diamants. C'est pas mal. On va descendre, on va regarder un petit peu. Ce que je vais faire, je vais le faire peut-être dormir. Voilà, a mal dormi, donc comme elle a mal dormi, Pavel lui il s'est remis sur pied. On va aller voir l'upgrade. L'upgrade du poil. Voilà, amélioration. Un poil plus efficace, il nous permet de cuire de la nourriture plus efficacement et d'économiser sur le combustible. Ça, c'est quelque chose de très important parce que le combustible, ça finit par coûter cher. Hein. Alors, quand ensuite on est obligé de claquer du bois pour faire du combustible, ce serait pas mal si je pouvais le fabriquer, mais on voit qu'il me manque énormément de ressources. Hein. Il me faut des planches et il faut surtout plein de composants que je n'ai pas. Alors, on est bientôt sur la période de nuit. Ouais, je pense que la prochaine construction, ce sera l'atelier de métallurgie. Bon, manque pas, je pense qu'on aura de quoi le faire. Bah, ma foi, on va pas insister. On va terminer la journée directement pour passer à la nuit. Pavel, il ira collecter. Donc oui, on peut leur demander de monter la garde. Donc bon, on va espérer que cette nuit, il n'y aura personne qui va venir nous cambrioler. Et on va leur dire de rester tous les deux couchés. Donc on voit, on a des nouveaux bâtiments, le supermarché, l'école qui viennent d'apparaître. On pourra éventuellement aller voir. Par contre, ici, par exemple, supermarché, prudence recommandée. Donc, on va retourner à notre cottage. C'est un endroit que l'on connaît et où on a encore de la ressource à extraire. Je vais regarder par la serrure. Voir s'il n'y a personne. Parfait. Et oui, on reprend où on en était arrêté, c'est-à-dire ici. Ben c'est sûr, hein, s'il avait une pelle, mais malheureusement, la pelle, on n'en a pas, puisqu'il faut la construire. Hein. Donc il y a pas mal d'endroits avec des serrures, hein, et ce serait bien aussi qu'on puisse avoir des outils pour crocheter les serrures. Rien que déjà dans ma maison, j'ai plusieurs armoires qui sont verrouillées. Ce serait très bien d'en trouver. Ah ouais, vous voyez, c'est verrouillé. Donc ici, on a 2 verrous. Hein. Donc bah, l'exploration, elle est très rapide. Hein. Il n'y a plus rien à. Là, ici, j'ai plus rien à collecter puisque tout ce qui est accessible, j'ai déjà pris. Donc on va faire quoi? On va prendre les fruits et remplir mes caisses de ces composants. Hein. Et tout ça encore, j'ai tout ça encore à venir chercher. Alors est-ce que je ferai Alors je vais prendre le livre. Un beau livre est toujours réconfortant. J'hésite à prendre ça et à cramer, parce qu'il va falloir que je crame après des trucs. On va ramener surtout aussi des composants. Et puis ben, on va rentrer. Hein.
ça sert à rien de rester puisque ben on est limité par les... on ne peut rien faire. On est bloqué, on ne peut pas ouvrir les portes. Donc le jour 3, on va avoir un compte rendu de la nuit, de ce que j'ai ramené, et surtout voir s'il n'y a pas eu de soucis dans la maison. J'espère pas. Et si, on a été pillé. Et voilà. Donc on s'est fait agresser, ils nous ont volé de la nourriture et de l'eau. J'espère qu'ils nous ont pas tout trop pris, ils en ont pris qu'un. D'où l'importance de renforcer la maison au mieux. Hein. Allez, Katia descend. Plus la maison est renforcée, plus les pilleurs sont bloqués. Donc avec Katia, on va construire de suite ceci. C'est l'atelier métallurgique. On va le mettre à côté justement de l'atelier, je trouve, c'est pas mal comme ça. Afin, elle est légèrement malade, a de légères blessures. Donc lui vraiment, Bruno, c'est pas fort fort. Je ne les fais pas manger hein, mais pour l'instant, mais survivant, hein, j'économise au mieux la nourriture que j'ai. Donc vous voyez, là maintenant, j'ai merdé. Donc oui, j'ai possibilité de construire un peu des objets. Par exemple, ça. On va en fabriquer tout de suite deux. Ça va me permettre d'ouvrir les placards. Donc là, je me fabrique des petits pour ouvrir les portes. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui vient. Alors, ouais, on va aller voir ce qu'il veut. Hein. Il faut se méfier hein, dans ces situations-là. Hein. Tout peut arriver. Qu'est-ce qu'il me veut? Alors on va parler avec lui. Vous êtes la première personne à ouvrir la porte. Merci beaucoup. Vite, mon frère a été touché par un tireur d'élite. Je vous en prie, aidez-moi à le ramener à la maison où il va mourir. Il n'y a pas tant de perdre à perdre. Donc voilà. Donc c'est un choix que je dois prendre. C'est-à-dire que mon personnage va partir. Et soit ben, j'accepte d'aller aider, soit je refuse. Ou voilà. Donc moi je dirais que je suis partant pour l'aider ce monsieur. Mais je vais pas l'aider avec Katia, je vais l'aider avec lui qui est malade. Parce que si jamais il y a un quelconque problème qui vient arriver, ben c'est pas très gênant. Hein. Lui c'est surtout quelqu'un d'intérieur. Donc je vais lui dire oui. Voilà, j'espère qu'il nous rendra l'appareil. Et voilà, on a Bruno qui est parti avec ce bonhomme. Donc j'espère qu'il reviendra. C'est un risque que je prends. J'aurais pu refuser comme j'aurais pu. Alors on voit, elle est de bonne humeur. Hein. On voit que ça clignote. Quand les temps sont durs, les gens devraient se serrer les coudes. Je me réjouis que nous avons aidé notre voisin blessé. Donc vous voyez, hein, la bio, elle change. Aider notre voisin était la bonne décision, je m'en réjouis donc. Pour l'instant, le choix d'avoir quand même envoyé Bruno prendre des risques pour aider le voisin, ça semble en tout cas porter ses fruits. On va déverrouiller cette armoire-là, histoire que s'il y a des choses intéressantes. J'espère bien. Nickel, les médicaments, d'autres livres, de l'eau. Est-ce qu'on peut grader le poil? Pas encore, il n'y a pas assez de ressources.
Alors, on va ouvrir cette armoire là. On va plutôt la faire monter ici. Et je vais envoyer plutôt Bruno à l'étage. D'accord, il me manque des pièces. Donc ça pourrait être un pied de biche, ça pourrait être utile plus tard. On va pas construire ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que je fais? Non, je vais peut-être garder mon outil pour la. Parce que là, je vois, je peux plus en construire. Faut pas oublier que dans la maison, j'ai deux portes à ouvrir. J'ai deux portes à ouvrir et il me reste un seul outil. Il me reste un seul outil pour forcer les serrures. Donc on ne va pas l'utiliser. Ben justement, en vue de l'utiliser cette nuit. Regarde ce que je peux construire d'autre. Donc on voit que je peux fabriquer justement du combustible avec mes livres là. Pour l'instant, je fais rien. On va passer là, on va terminer la journée comme ça et on va partir collecter à nouveau dans notre cottage, sauf que cette fois-ci je prends le petit truc pour déverrouiller la porte. Donc maintenant la question ça va être de savoir qu'est-ce qu'on va ouvrir en premier. L'étage, je pense qu'on va monter ouvrir la porte. Peut-être qu'on trouvera des choses utiles plus que dans l'armoire. Si je pouvais en trouver un autre pour ouvrir. Oui, hein, moi j'ai trois endroits où fouiller. C'est pour ça que les choix sont très importants. Quoi prendre, quoi laisser, quoi construire. Bon ma foi. J'ai à nouveau fait le tour, hein, puisque en bas je pourrais pas l'ouvrir. On va revenir à la note. Hein. Là, je suis malheureusement bloqué. Je vais pas pouvoir l'ouvrir alors celle-ci. Il faudra que je revienne avec un nouveau crochet. On va revenir à l'extérieur. Et on va faire notre tri pour repartir à la maison. Donc on repose tout. Pour tout reprendre. Donc on va faire tout simplement déjà. On va prendre les 4 engrenages. On va prendre des caisses comme ça aussi, des planches. Oui, il y a de quoi, il y a de quoi récupérer. Hein. Alors, j'ai récupéré ça. Je récupère vraiment ce qui est, ça aussi l'électronique, c'est important. Bonsoir à toi, Doudam. Allez, je vais prendre un inventaire complet de sucre. Ça peut être utile, peut-être si jamais il y a un échange qui pouvait se profiler. Allez, on rentre à la maison. Pavel est de retour. J'espère que la nuit sera passée sans encombre. Ça m'embêterait de m'être fait encore piller. Jour 4. Nickel. Est revenu après avoir aidé un homme blessé. Nickel. Donc Bruno est de retour.
parmi nous. On voit qu'elle est toujours couchée. Donc là, on voit à très fin. À très fin. À très fin. Donc là, on va faire à bouffer, c'est le cas de le dire. On va faire à bouffer quelque chose avec de la viande, des légumes. C'est-à-dire, on va faire un des plats les plus... Donc eh ben là, on va cramer des livres. Allez, hein, mais... crame un deuxième. Ok, bon, on va fabriquer comme ça. Et là, on fait deux plats cuits simples, mais nourrissants. Je le fais faire par Bruno, c'est un cuisinier. Et voilà, et Bruno, on le fait manger. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelqu'un, je sais qu'est-ce que c'est. C'est quelqu'un qui vient pour faire un échange. Donc, on va envoyer Kata parce qu'elle a une compétence qui lui permet de savoir ce qui a de la valeur, pas de valeur. Donc là, on va faire vraiment... On va faire des affaires. Regardez ce que j'ai apporté. Et donc là, il va nous proposer de faire du troc, ce monsieur. Donc voilà un peu tout ce qu'il a dans son inventaire. Donc moi, je vais pas me casser la tête. Je vais prendre. Déjà, je vais lui proposer un diamant en échange. Et puis là, on va remplir. Voilà, il me dit revoyez votre offre déjà. Je t'en donne un deuxième. Marché conclu. Oui, j'essaye de trouver en fait pour deux diamants. Hein, il veut pas me donner tout ça. Alors on va essayer de lui balancer en même temps mon sucre là. Pas évident. Hein. Pas évident hein, de s'arranger avec le monsieur. Hein. Je vais lui donner encore du sucre. Quand il dit quelle générosité. Ah, je peux en enlever. Et, hein, comme quand je disais qu'il fallait ramener du sucre. Alors voilà, alors je lui donne 2 diamants et tout ça de sucre, il me donnera tout ça. Donc on fait l'échange. Parce que... Alors ce qu'on va faire, on va la faire remonter pour déverrouiller l'armoire. Non. On va la faire manger déjà. Bruno, lui, on va lui faire déverrouiller une première porte en bas. Là, tiens, on va la faire déverrouiller en haut. Pavel, on va le faire descendre pour qu'il regarde un petit peu si on pourrait pas. Là, lui, déjà, il faudrait le faire manger aussi. Nickel, regardez, pansement, on retrouve des trucs, nickel. Alors Pavel, qu'est-ce qu'il va pouvoir me construire? Vous voyez, il peut construire un atelier de plantes, donc ça c'est pas utile dans l'immédiat. On va construire
un filtre qu'on va pouvoir mettre pour récupérer de l'eau de pluie. Donc là, en train, Cathy est en train de déverrouiller l'armoire. Et encore des livres. Le cuistot, il va remonter, il va nous faire à manger pour Pavel. Pavel, lui, je vais lui dire de construire un petit truc pour forcer les portes, puisqu'il en aura besoin. Bah, tiens, je vais lui dire de se coucher, puisqu'elle est fatiguée. Alors, construis-moi. On va cramer un autre livre. Et comme ça, je construis un autre repas à base de viande que je ferai et je ferai manger pour Pavel. Donc oui, c'est vraiment de la gestion entre les personnages et puis de faire les bons choix. Fabriquer, je mets mon filtre et là ça va fabriquer de l'eau, 4 d'eau, donc il faut que ça se fasse. On va lui ouvrir la porte, on va voir ce qui éventuellement s'il y a une autre opportunité. Si je te donne du sucre là, est-ce que tu me donnes des planches? Pour l'instant, moi je vois pas l'intérêt d'avoir du sucre, hein, j'en trouverai. Le sucre c'est pour faire de l'alcool, hein, il me faut de la distillerie et plein de choses. Là je préfère faire du troc avec le gars en vue de barricader la maison. Alors hop, construction. Presque sur le jardin là, parce que ça aussi ce serait quelque chose de sympa, parce que ça permettrait de faire pousser des légumes le jardin. On va quand même protéger contre les pilleurs, des choses importantes, hein. Je regarde si on a tout ouvert. Donc on entend l'horloge, c'est qu'en fait on arrive presque à la fin de la journée. Je pense qu'il n'aura pas le temps de finir avant la période de nuit. Ah si, il a eu le temps. Ouais, il a renforcé juste à temps. Et là on va arriver dans la période de nuit où Pavel va pouvoir repartir à nouveau. Donc on va lui dire on va lui dire de monter la garde, lui on va lui dire de dormir et Pavel il va collecter. Et on retourne à nouveau dans notre cottage avec cette fois-ci mon petit outil pour ouvrir les serrures, et on va essayer d'aller chercher ce qui manque dans l'armoire, hein. Puis ça sera vite fait. On ouvre l'armoire. En haut, c'est la souris. On aura vidé l'intégralité de la maison. Donc, vous voyez, ça valait le coup de venir revenir. Hein. Vous voyez tout ce que je chope. Allez, on va prendre un petit peu de matos. Alors, de toute façon, il va falloir faire des allers-retours. Hein.
Diamant, je vais le choper. Oh bah là je prends vraiment un peu tout hein. De toute façon là il n'y a plus, il n'y aura plus qu'à faire un seul voyage et puis ça sera fini hein. Ça sert à rien de rester hein. Autant passer la nuit. Alors à noter que ce jeu, je crois qu'il a été porté sur Android hein, pour les jouer sur téléphone portable ou sur tablette hein. Encore couché lui là. Allez, descend. Donc oui, hein, la gestion de la nourriture, c'est quelque chose de sensible. Alors qu'est-ce que je peux construire avec ce que j'ai ramené? Je peux construire un distillateur. Je pourrais construire un piège pour animaux. Ouais. On va construire ça. Il me manque encore des planches. J'en ai que 13. Un poêle, j'en ai pas. Je suis en train de faire un peu le tour de ce qu'on pourrait. Il s'agit d'une table sobrement équipée où il est possible de confectionner des médicaments à base de plantes, des bandages, des cigarettes roulées de mauvaise qualité. On va l'améliorer pour faire des vrais médicaments et des vraies cigarettes. Ça c'est bien ensuite pour faire de l'échange, ça aussi hein, c'est pour faire de l'alcool, mais on peut l'améliorer derrière. Hein. Je regarde les améliorations. Ouais, il y a énormément besoin de beaucoup de ressources pour améliorer plein de trucs. Alors, afin. On commence à avoir quand même pas mal de ressources hein, pour les médicaments. Donc, on a des bandages, on a des médicaments, on a des médicaments à base de plantes. Hein. On va regarder un peu la bio, ce qu'il raconte. Ça, c'était le jour 4. Tiens, quand est-ce qu'il est. Donc, oui, il y a tout le temps un petit truc à lire hein, sur les bio. Donc, là, par exemple, on pourrait faire 2-3 trucs. Hein. On pourrait bah, tout simplement fabriquer une barricade pour renforcer encore la maison. On pourrait fabriquer bah, ça, l'atelier de plantes. Je suis pas convaincu qu'il y ait une bonne utilité. Hein. Le but, ce serait surtout de faire ensuite du. Ce serait vraiment de faire, comment ça s'appelle, des échanges. Donc il vient pas tous les jours. Celui qui fait les échanges. On va voir s'il y a aussi possibilité d'upgrader mon poêle. Là. Moi, je serais plus d'avis d'essayer de construire le. Donc là, par contre, je peux l'upgrader. Donc on va l'upgrader. Hein. Je vais fabriquer un poêle upgradé parce que ça, c'est quelque chose d'important. C'est ce qui fait. Avec ça que je cuis la nourriture et tout. Donc en ayant un poêle upgradé, ça va me permettre d'économiser en chauffage quoi. Ça m'évitera de devoir prendre des livres ou prendre des trucs. Ça cuira de façon plus efficace. Oui, hein, c'est maintenant pour faire cuire, il m'en faut qu'un seul. Hein. Donc c'est pas anodin.
va d'ailleurs cuire un truc. Voilà. Vous voyez, hein, c'est très intéressant. Ça me permet d'en faire deux avec un seul combustible. C'est tous des choix hein, qu'il faut faire. Hein. C'est vraiment, il faut vraiment, c'est stratégique. Hein. Pas faire n'importe quelle recette dans n'importe quel ordre parce que ben, on peut se retrouver ensuite très vite bloqué. Hein. Vous voyez, hein, maintenant avec tout ce que j'ai fait, et maintenant il y a plein de recettes que je n'ai plus. Ah ben, on récupérera. Ça dans de l'exploration. Hein. Je sais pas ce qui se passe avec le récupérateur pue. Hein. Est-ce que le truc était tombé en rade? J'ai pas compris pourquoi il s'est arrêté. Allez, si t'es légèrement malade, remonte te coucher. On voit que Pavel, lui, il est en pleine forme. Mon estomac gargouille. Donc lui, il a faim. Je vais essayer d'économiser les rations au maximum. Je voudrais pas non plus qu'il se retrouve, qu'on se fasse piller, qu'on se perde la bouffe, là. Donc là, je pense que je vais peut-être faire bouffer une des boîtes à Pavel. Ouais. Ça lui coupera la faim. Voilà. Et puis, bah... je vais sûrement repartir à la recherche de débris. Alors ce que je vais faire, cette fois, je vais peut-être pas retourner à la maison abandonnée où j'étais, je vais aller dans une autre. Pour tout simplement, bah... alors ce que je vais faire, on va faire manger elle aussi. Préventivement, hein, parce que si jamais on se fait attaquer la nuit... on entend l'horloge qui tourne là. On va arriver à la période de nuit. Ah, nickel. On va arriver à 8h, ça va être la nuit. Donc comme d'habitude, Pavel qui part collecter. Elle est légèrement malade, de bonne humeur, donc elle, je pense qu'on va lui laisser encore monter la garde pour la nuit. Ville en ruine, on va aller faire un tour là-bas. On va aller faire un tour à la ville en ruine. Donc là, on part à vide, on sait qu'il y aura des objets à aller récupérer dans notre cottage. Alors là par contre, oui, il y a quelqu'un à l'étage. Donc il va falloir faire très très attention. Donc là, je laisse ça ici. Là, c'est pas du tout la même chose. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Hein. On va faire très 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 gaffe. Une maison qui est habitée, c'est souvent une maison où on ne peut pas prendre tout ce qu'on veut parce qu'il y a des objets qui sont des propriétés privées. Hein. Moi je vais descendre, je vais aller fouiller ce qu'il y a dans la cave. Regarder à travers la serrure. D'accord, barricadé. Il
Donc, vous voyez, le logo a changé. Là, ce serait en vol. On va rien prendre. Je vais quand même regarder ce qu'il y a dedans. C'est de la propriété privée. Donc, si je le prends, je peux le prendre. Hein. Sauf que ça peut influencer sur le moral de mes personnages de devoir voler quelqu'un et de mettre quelqu'un dans une situation délicate. Donc, pour l'instant, on va rien prendre. Moi, je vais me contenter de visiter sans faire le trop de bruit. Le mec, il se demande ce qui se passe. Bien sûr qu'il y a quelqu'un, mon gars. Et on en prend encore plus. J'espère que ce n'est que le vent. Le gars, en fait, il sait pas que je suis encore là. Ouais, je vais vite ressortir en débarricade dans sa porte. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Il est en panique, le gars. Ça pue du cul. Donc là, obligé de me fighter. La prochaine fois, je vous tue. Bah écoute, on va se barrer, mon gars, hein, parce que là. La première vue, il a un couteau, hein, je crois. Là, il m'a laissé une chance, les gars. Il aurait pu me crever. Hein. Le mec, il a un couteau. Donc, vous voyez, hein, c'est super risqué. Hein. Par contre, je suis pas du genre à me laisser éclater la tête comme ça. Il s'est fait dépouiller, mon gars. Hein. Il a failli limite crever. Hein. Et putain, non, il était puyé. Nous voler, il s'agissait que de quelques collègues. Ils nous ont rien volé, c'est bien. Très très bien. On va te mettre tout de suite à l'abri. On va construire des couteaux, je crois, là, parce qu'il va falloir s'équiper. Hein. Voilà, on construit des couteaux parce que si jamais on se fait attaquer, on a des armes pour se défendre. La radio, on peut suivre l'actualité, OAM. De graves blessures. On va lui dire prendre directement un médicament là. Ah, il s'est fait défoncer. Hein. Et on va le lire de se lever. Je pense qu'on va envoyer Katia pour l'exploration de la nuit. Hein. Bruno, on va lui faire manger un plat comme ça.
Ah, il s'est fait dépouiller à mon. Pourquoi il est triste? D'accord, il est triste. Très risqué hein, dans cette maison. Hein. Je pourrais construire un autre lit pour qu'ils puissent tous se coucher, mais oui, ça me coûte des composants. Je préfère économiser mes composants en vue de construire d'autres choses. Hein. La première vue, Pavel, il a besoin de bandages. Donc là, j'ai cliqué pour que Bruno soigne Pavel avec des bandages. Il va lui donner à manger. Allez, couche-toi. Et voilà. Donc ça c'est fait. L'autre qui vient pas là. Qu'est-ce que je peux faire de beau dans ma cabane là? Pas grand-chose hein, malheureusement. J'ai économisé mes planches et mes ressources. Déjà, j'ai construit un couteau, ça fera un truc efficace. On pourrait construire une petite pelle qui peut être sympa aussi. Aussi, mais c'est coûteux, hein. J'aimerais bien fabriquer le jardin pour réussir à cultiver un petit, surtout des légumes. Ça serait un bon plan, ça, de faire un petit jardin. Bon, bah, de toute façon, on va faire passer la journée et personne qui va se pointer. On va faire sortir Katia cette fois. Donc, la ville en ruine, on va éviter d'y aller tout de suite. Je vais regarder un petit peu, beaucoup de pièces, quelques nourritures, supermarché, prudence. Un quartier résidentiel, demeure prestataxe, une zone composée de petites maisons. Ils sont encore habités et les gens essaient de mener une vie normale. Croisement des tireurs d'élite, autant dire que là-bas, c'est risque garanti. On voit le pourcentage de collecte hein, ici apparaît hein. 95%. Là, j'ai collecté que 9%. Il y a énormément de ressources. Col bombardé, petit immeuble. Essayer de voler par la force. Donc moi j'irais bien faire un petit tour à l'école. On va aller faire un petit tour dans l'école. Ah bah je sais pas s'ils vont tous mourir, mais bon pour l'instant ça va. Hein, je sais pas. On va voir s'il y a du monde dans cette école. Thank you.
va aller voir ce que c'est à l'étage. Soit c'est des gens qui marchent, soit c'est des souris. C'est des souris à mon avis. Il y a du boulot. C'est là que l'appel leur a été utile. On va déjà déblayer ici. Donc il y a énormément de boulot. Hein. Mais par contre, on voit il y a de la ressource hein, plus loin. C'est très grand. Très très grand. Par contre, c'est sûrement dangereux pour les snipers, hein, je pense. Allez, vas-y, creuse, creuse. J'aimerais savoir si la pelle aurait été une bonne chose, construire une pelle tout de suite. Ce qu'il y a, c'est quand on a une pelle, et ben, ça nous encombre. Ça nous encombre, et en même temps, on peut pas. Ça nous fait un emplacement de moins pour revenir. Par contre, on gagne énormément de temps. Hein. Allez, creuse, creuse, creuse. J'espère qu'au moins je pourrai accéder au moins à cette zone là, avant que la nuit soit terminée. C'est sûr qu'une pelle serait utile. Allez, allez, dépêche-toi. J'aimerais au moins repartir à la maison avec un peu plus de matos que deux trucs de bois là. On va y arriver. Ah bah ouais, bah j'essaie de faire en tout cas des jeux où qui m'attirent aussi. Hein. Salut à toi, hein, Clem. Donc on regarde un peu par la fenêtre. On va ouvrir. Ok, c'est barricadé, donc on va descendre. Donc là, je pourrais pas rentrer, il y a des barreaux. Donc il faut que je scie les barreaux avec une scie tout simplement. Et sans ça, je pourrais pas accéder. Donc là, si, je peux pas encore la construire. On va fouiller là-dedans. Regarde aussi là. Pour la serrure, on va ouvrir. Ah, il y a quelqu'un là par contre. Il y a quelqu'un donc là. Tranquillement, on repart, on referme la porte. On va alerter les gens. Alors on sait qu'il y a du monde. Hein.
Alors là, courir vers la sortie. Parce que là, on entend le chronomètre. Et là, il faut pas traîner. Hein. Parce que sinon, si je suis bloqué, c'est la merde. Oui, je rentre juste à temps. Hein. Juste à temps. Sinon, je me retrouve avec un personnage qui arriverait en cours de journée. J'espère qu'il n'y a pas eu d'incident pendant la nuit. Putain, hein. L'autre, on va aller lui éclater la tête. Hein. Alors... Allez Bruno, lève-toi, va manger. Pas gagné, hein. Il faut là on faut de la ressource. Hein. Katia, elle on va lui dire de monter, elle a besoin de repos. Elle a de graves blessures. Hein. Il en a des bandages. Alors, qu'est-ce que je peux construire? Ça, j'en ai pas réellement besoin. Ça pourrait être utile. Ouais. Mais je vais économiser un maximum pour. Pour récupérer dans la maison, dans l'école là. Ah, c'est le comment s'appelle celui qui fait des échanges. Ça tombe bien, j'ai un diamant. Que ça. J'essaie de gratter un truc, hein, mais bon. Comme machin. Regardez. Je vais quand même faire descendre elle, parce qu'elle est c'est une marchande. Alors, il manque surtout des planches. Il manque 5 planches, donc on va les acheter. Hein. Ouais, je peux aller beaucoup plus loin dans l'échange.
Allez hop, on va construire un jardin de plantes. Mettre ça ici. On va reprendre les échanges. En échange, je te donne des plantes là. Ça me sert à moi, ça me sert à que dalle. Ah, il aime les plantes, hein. Allez, on fait ça. Je recommence un autre échange. Bien sûr, il ne veut pas. À grappiller un petit truc là, c'est des feuilles de tabac. Il va pas m'arracher du comme, il va pas me laisser ça comme ça. Ouais, et Pavel, c'est pas bon, hein. Fermer la porte. On va lui dire de se reposer pendant que en bas il nous fabrique. Je pense avoir fait le tour, hein, de ce qui pouvait être intéressant. J'ai récupéré le maximum d'éléments qui me permettaient de faire les upgrades. Regardez. Alors qu'est-ce qu'on peut construire? Fertilisant. Ça prend comme 8 d'eau, hein. Donc pour faire du fertilisant, je vais pas bouffer, je vais pas prendre ma bouffe, hein, quand même. Je fabrique ça, une lampe. D'accord. On va regarder si je peux construire ça. Vas-y, plus vite. Tant qu'il est là, on sait jamais, hein. Là, il me faudra encore des planches et de ça, et je pourrais améliorer le. Pour fabriquer justement les appareils électriques comme la lampe à chaleur. On va remonter voir. Cabane derrière la maison, non, j'y suis pas allé. Y a pas de cabane, ça c'est l'autre maison, hein, tu parles, hein, je pense, Jacuzzi. C'est là, c'est l'autre maison. Descendre Katia.
elle pouvait faire vite là. J'essaye, j'échange les fleurs contre les trucs. On termine la journée. Partir collecter. On va retourner dans notre école. Donc là, je peux pas ouvrir, c'est barricadé. Ouais. Barricadé aussi. Par contre, je vais surtout me méfier parce que quand on peut pas sortir. On va aller à l'étage, déblayer ici. Après, il faudra que j'accède en dessous là. Ouais, c'est une autre maison, hein. Il y a plusieurs des maisons de départ. Hein. Allez, on creuse, on creuse. C'est une cabane dans un arbre, c'est pas des toilettes. Allez, on fait péter la barricade. Ah, par contre, faut faire très attention. Hein. Très exposé là. Descendre à l'étage. On va remonter. Allez, on remonte. Thank you.
remonter. On va essayer d'aller sur le toit. Décidément, les mecs, c'est des mecs qui créent des comptes pour foutre leur merde. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes types de pseudos là avec des noms, je ne sais combien, avec des chiffres à la fin. Il y a des profils qui sont faits uniquement pour spammer sur les lives, c'est dingue. Donc on en trouve encore un autre, là, celui qui vient de passer, hein, c'est encore un profil qui a été construit uniquement pour spam. Ça devient une maladie, hein. Moi ça fait depuis là, c'est depuis une semaine. Ça doit faire au moins le 4 ou 5e qui se fait court-circuiter là. Faut pas hésiter, hein. ces profils là il faut les bannir, hein. Moi je les bannis déjà. Mais comme c'est des bannis, ils fabriquent Ah putain. Vite, 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 vite. Allez, parcours, cours. Putain de merde. Parce qu'il faut pas que je me retrouve bloqué. Eh merde, c'est la merde. Là, je me retrouve avec des matos de merde. Et bon, si je vais pas me retrouver bloqué, j'ai mieux fait de partir en courant, même avec, si j'avais pas grand chose. L'essentiel, c'est d'avoir déjà trouvé les objets. J'ai pas ramené grand chose. Je sais que c'est grave, je sais que c'est grave, mais... Malheureusement, on peut pas faire grand chose. Hein. Je vais monter voir s'il y a moyen de faire un truc. Il n'y a pas d'interaction possible. Hein. Il veut des bandages, mettre des bandages. Alors autant vous dire que l'autre là je vais retourner le voir, mais là si je retournerai avec le couteau et je vais le trancher. Hein. Trancher l'autre. Il m'a défoncé mon Pavel. Qui c'est que cette bonne femme là? Elle a le cuistot là au lieu de ronfler. Hein. Là, lui il était toute la nuit couché, il est encore couché quand j'arrive. Salut, c'est qui? Bonjour, vous avez l'air sympa, sympathique, je m'appelle Zlata. Avant, j'étudiais pour l'éduquer du mini-musique, mais elle a fermé à cause de la guerre. Et si on restait ensemble pour le moment, nous pourrions nous entraider. En plus, rien de tel que de la compagnie. Bah écoute, vas-y, rentre dans la baraque. Si tu peux aller t'occuper de mon pote là, je sais pas ce que tu sais faire, toi, comme compétence. Elle remonte le moral, elle. Ah bah c'est bien. C'est bien comme compétence. Ah, c'est pas tout, hein. Donc comme on a quelqu'un de plus, on va devoir construire, je pense, un nouveau lit. Histoire quand même d'avoir un peu... On en a 4. Ça sert à rien d'avoir autant de lits que de... Mets le lit ici. Comme ça, on aura ça, ici c'est les chambres. Hein.
Qu'est-ce que tu peux nous fabriquer de beau, toi? Si l'upgrade, je peux la construire. Hein. Il manque des planches. Quand je retournerai pour la nuit, là, je récupérerai les planches qui manquent. Hein. Je pense que je pourrais upgrader ici. Par contre, il va faire vraiment de la bouffe. Ouais, je sais, hein, si je tue un gars, elle est remords, mais bon. Si tu veux, hein, si je pouvais l'empoisonner, hein, ce serait mieux, mais. Qu'est-ce que tu veux, hein? Là, il a quand même bien amoché mon bonhomme. Et puis, l'endroit où il est, il a l'air d'avoir de la ressource. Hein. Donc, j'ai bien envie d'y retourner pour bah, déjà lui expliquer comment je m'explique. Surtout, récupérer tout ce qu'il peut y avoir dans sa baraque, quoi. Ça m'emmerde hein, puisque je peux pas. J'ai construit ça, mais je peux pas l'utiliser encore. Alors, on va aller voir. Peut-être que je peux fabriquer des plantes ou je sais pas quoi, puisque ça s'est bien vendu, j'ai vu. Ouais, c'est. Ouais, ça vaut vraiment pas le coup. Il me faudrait ici des fertilisants que je n'ai pas. Et pour faire du fertilisant, il m'oblige à bouffer ma viande, mes fruits, hein, donc ça vaut pas le coup. Et 8 d'eau, et ça pourrait me faire des herbes. Malheureusement, je les ai pas. Hein. 8 d'eau. À l'étage. Je pense qu'il va vraiment falloir que je trouve de la nourriture. On va terminer la journée. On va retourner dans notre école avec. Avec elle. Ah, elle a de l'emport, hein, mine de rien, là. L'Azla machin. Hein. On va lui dire de monter la garde. Et on repart à l'école. Hein. On repart à l'école. Bon bah là, maintenant, on y va franco. Hein. Ah d'accord, je pouvais monter par là. En fait, je sais même pas s'il y a une utilité que je déblaye ce machin là. À mon avis, il va y avoir rien à voir. Hein. Je pense que je descends d'aller voir là où il y a le bonhomme. Donc ici, il me faudra une scie, là. Voilà. Le mec il est couché.
Il y a du monde, hein. Salut. Poum. Nickel. On a bien fait de passer par là, on va revenir tranquillement à l'entrée. Les gens n'ont pas l'air hostiles. Ah, il me faudrait une scie. Pour avoir la scie, il faut impérativement que j'upgrade mon atelier de métallurgie. On est assez éloigné là. On y retourne. Tout au courant. J'ai préparé une planque derrière le frigo, patati patata. C'est moi qui passe, mon gars. On va se dépêcher, comme ça on va faire un tri là. Ça serait pas mal là, si j'arrivais à avoir la scie, je pourrais rentrer là-dedans, ça a l'air d'être intéressant. Hein. Allez. On va déjà choper tout ça. Les médicaments, j'en ai pas besoin, j'ai surtout besoin de ça. Et on y va, et on reviendra. Très 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 bien le coin. Très 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 bien. J'espère que nous n'avons pas eu de problème pendant la nuit. Jour 9. Nickel, Pavel se sent mieux, c'est parfait. Très très bonne chose. Faire descendre la miss Zlata. C'est, je peux upgrader la maison. Enfin, je peux upgrader l'atelier. On va le faire de spa. Très fin, alors trouver l'homme devrait être ma priorité. Non, non, c'est pas ça la priorité. Enfin, ça pourrait l'être plus tard, mais bon,
Ah, on pourra se faire des pigeons bientôt. Chacun raconte un peu ce qu'il a envie. Voilà, donc là j'ai le plus gros atelier avec toutes les fabrications possibles. Donc on voit notamment qu'il y a une porte renforcée, tous les trous. Une fois que nous aurons renforcé tous les barricadés, tous les trous, les fenêtres du refuge, nous pourrons envisager de renforcer la porte avec un système d'alarme simple. Vous voyez, il y a du matériel, hein. Et moi, ce que je veux, c'est surtout ça, lampe à chaleur. Parce que la lampe à chaleur, c'est ce qui me manquait pour upgrader mon petit jardin là. Faire descendre notre cuisinier pour qu'il fasse à manger. Pour Pavel au moins, et c'est vrai que de la bouffe, il va falloir que j'en trouve. Ça devient un peu une chose importante. Qu'est-ce que c'est que ces deux bonhommes qui viennent à la porte là? Elle, on va lui dire de monter se coucher, à la garder la nuit, la maison. On va faire à manger pour Pavel. On va aller voir de quoi il en retourne à la porte là. Parce que ça, c'est deux zigotos. Ouais. Nous habitons à quelques pâtés d'ici. Comme vous savez, comme vous avez trouvé un refuge dans ce bâtiment et que nous allons être voisins, on a décidé de nous dire bonjour. Nous avons apporté quelques de notre jardin. Putain, ils sont sympas les mecs, oh. Ah, les mecs, ils nous amènent des légumes. Merci, mon gars. Je te revendrai ça. Ils sont sympas les types, ils sont venus m'apporter des légumes de leur jardin. Moi aussi bientôt je pourrai en faire du jardinage. Enfin j'espère. Hein. On va surveiller un peu nos ressources en eau. On va fabriquer un peu plus. Allez, remonte, on va te remettre dans ton lit, Pavel. C'est parti, on récupère un peu d'eau de pluie. Alors l'atelier va me manquer des engrenages et du bois. Donc le bois, c'est vraiment ce qui me la priorité. C'est clair, nous avons besoin de nourriture, très bonne déduction. Hein. Ce que je vais faire, je vais fabriquer du fertilisant avec un truc de nourriture, je me dis de cas, ça m'embête. Hein. Ce cas, c'est que je suis obligé d'en bouffer une. On va attendre, hein. J'économise pour l'instant ma bouffe. Il faut à tout prix que je récupère du bois, c'est ce qu'on récupérera à l'école. Hein. Bon, bah, on va terminer la journée. Katia va repartir à la collecte, à l'école bombardée. Tout le monde est conserve, machin, et Zlata va monter la garde.
C'est parti, on repart collecter. Alors on va continuer à faire un petit peu le tour, hein. J'ai hâte de défoncer ici, hein, d'avoir une scie. Récupérer ce qu'il y a là-dedans. Alors, je peux leur voler leurs affaires. Là, normalement, il y a une cachette, donc on va pouvoir prendre. Trouver de l'alcool aussi. Bingo. On va y aller tranquille, sans courir, il ne faut pas l'aider tout le monde. Oh, bonjour. Voilà, c'est bon, il m'a vu. On peut y aller en courant. Parce que là, il y a de la ressource. Il y a énormément de flotte, il y en a 10, donc là, l'eau, je vais la ramener. Moi qui avais lancé la... de quoi le récupérateur d'eau là. Avec tout ce que j'ai là, ça sert à rien. Surtout j'ai trouvé de la bouffe. On va pouvoir faire des repas. Donc, on y retourne en courant. J'aimerais bien faire un petit retour à nouveau avant la fin de la nuit. Je regarde, personne n'a l'air d'être offensif. Ah, un autre endroit, qu'est-ce que c'est? Il y a un truc à voler là, on dirait des plantes. Quelqu'un qui a protégé un truc. On veut y aller en courant, ça sert à rien d'attendre. Là, j'ai commencé à faire bien le tour, hein. Il y a pas mal de ressources qui sont planquées derrière des grilles. Donc il va falloir vraiment une scie. Malheureusement, la scie, je ne peux pas encore la construire à l'état actuel de mon atelier. Alors maintenant, on va pouvoir un peu en reposer tout. Pour reprendre, alors ce que je voulais, c'est du bois. On va ramener de la flotte. On va ramener les deux morceaux de viande. C'est bien là, il y a énormément de ressources, c'est très intéressant ici. Allez, on rentre. On va faire un voyage comme ça, on reviendra. Oui, c'est très intéressant cette école.
ramènera un peu de viande qui va nous permettre de faire manger tout le monde. Jour 10. Très très bien, je suis très content, Pavel va beaucoup mieux. Toi tu vas descendre au rez-de-chaussée. Tiens, on va descendre, toi va faire de la bouffe. Ah merde, il manque des composants maintenant. Il manque des composants, ça fait chier. On va cramer un livre. Elle, elle va aller se reposer. Elle va fabriquer des repas. Pour lui et puis pour Katia. Ah bah, il faut que tu te remettes en forme là si tu veux aider tes amis. Hein. Ah, ça c'est le vendeur de. C'est le vendeur de machin. Alors, ça tombe bien, elle est levée, Katia, elle va pouvoir aller faire du troc un peu. Si on pouvait avoir des composants. Même. Je crois que j'en ai un dans l'exploration. Alors, qu'est-ce qu'il a à me vendre? Si je lui échange choc en dépensement. Sûr. Hein. Ça peut être utile. Hein. Pour ça que j'aimerais bien prendre. J'aimerais bien récupérer des pansements. Ça peut s'avérer utile. Hein. Et j'en ai plus du tout. Et puis les munitions, bah. J'ai pas de pistolet pour le moment. Hein, donc. Pas d'utilité. Hein. Remonter. Écoutez, hein. Bah ça fait déjà 2 heures de live hein, sur This War of Mine, donc je vais pas non plus faire trop long, hein, parce que bah, quand je vais mettre les vidéos, ça va faire énormément de temps à voir. Donc moi, je vais en arrêter là avec This War of Mine. J'espère qu'en tout cas cette première vidéo, premier live même, vous aura plu. Hein. On continuera hein, notre petite survie avec nos 4 personnages, en espérant. Bah, en espérant qu'on arrive à s'en sortir. En tout cas, j'espère que cette session vous aura plu. Et on découvrira bah, sur une prochaine la suite. Bah, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne nuit. Peut-être, il est que 23h, donc je vais sûrement repartir sur d'autres choses. Donc, bah, je vous dis peut-être dans quelques instants pour un nouveau live sur un nouveau jeu. Sur un nouveau jeu, sur un autre titre, du moins. Sinon, bah, je vous souhaite une bonne nuit et à une prochaine. Donc moi je vous dis bonne nuit à tous, merci d'avoir suivi le live.
et à une prochaine. Ciao, ciao.